Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une toute petite vidéo pour faire un coup de cœur. Et c'est un coup de cœur particulier, puis c'est un coup de cœur à une libellule et à un glaïeul. Alors vous allez vous me demander ce qui m'arrive de me prononcer pour défendre cette petite bestiole et cette petite fleur. Pour une raison extrêmement simple. Cette petite fleur et cette petite libellule, du genre du libellule très particulier, sont des espèces végétales et animales qui sont extrêmement rares, qui sont en voie d'extinction et qui existent ici sur ma commune de Grabel. Et vous savez où elles se trouvent? Elles se trouvent sur le tracé d'un projet routier complètement inutile qu'a décidé le conseil départemental et la préfecture sur le tracé, qui aura des conséquences catastrophiques en termes de pollution de l'air, en termes de transmission de maladies respiratoires, en destruction de la biodiversité, en remise en cause des ressources en eau, bref, un grand projet inutile contre lequel notre commune se bat depuis plus de 10 ans. Et on vient d'apprendre la semaine dernière que le Conseil d'État avait décidé de demander une nouvelle étude environnementale parce que la façon dont elle avait été faite était aberrante, puisque c'était un organisme sous l'autorité du préfet qui faisait l'étude environnementale qui servait au préfet pour faire son projet. Donc elle n'était pas indépendante, le Conseil d'État dit ça, c'était pas sérieux. Et donc il redemande une vraie étude. Et là on tombe sur des espèces extrêmement rares et qu'il faut protéger. Donc je trouve qu'il y a une certaine ironie à ce qu'une toute petite libellule et une fleur comme un glaïeul puissent se mettre en travers de la route du lobby routier qui veut bétonner tout notre territoire. Et donc c'est intéressant. Alors vous allez vous reporter à ma note de blog, vous reporter à tous les combats qui sont menés par les associations, les militants et la municipalité, et je vous appelle tous à soutenir la libellule et le glaïeul contre le lobby routier. Voilà, bel été à tous.